Excuse-moi, monsieur, monsieur Keita. Vas-y, vous savez, en ce qui concerne le bilan du professeur Alpha Condé, chacun a son bilan dans son esprit. Chacun pense que Alpha Condé devait transformer la Guinée en une piscine remplie du miel et du lait, dans laquelle on allait se baigner. Mais là, le vrai bilan du professeur Alpha Condé est là. C'est que tu prends la Guinée de 2010 et la Guinée de 2021. L'écart, là, c'est ça le bilan du professeur Alpha Condé. D'accord. Si en 2010, les gens croyaient que, les gens pensaient qu'il était normal de vivre comme des vampires dans un pays comme la Guinée et que l'obscurité était notre ami, notre camarade, que c'était normal. En 2010, on avait des investisseurs qui quittaient ailleurs. Quand ils viennent, ils passent la journée, le soir, ils prennent leur jet pour aller passer la nuit à Dakar ou à Abidjan et revenir le lendemain. Si c'est ce qui était bon pour certains Guinéens, mais nous disons aujourd'hui que, quelle que soit la délégation aujourd'hui en Guinée, nous sommes capables de recevoir ces messieurs et en tout cas rester ici, parler du développement de la Guinée avec eux. Donc dans plusieurs secteurs, le professeur Alpha Condé a quand même apporté quelque chose. D'accord. Nous qui nous mettions dans les rangs en 2010 pour aller se connecter dans les cyber à 6000, à 7000 pour une heure du temps, aujourd'hui avec 1000 francs, tu es chez toi, au moins tu as quelque chose. C'est tout ça qui constitue en réalité le bilan du professeur Alpha Condé. On ne va pas revenir le débat sur le bilan. Non, il faut juste dire aux gens que ce qu'ils ont dans leur esprit est propre à eux. D'accord. Mais le bilan du professeur Alpha Condé, c'est l'écart entre ce qu'il a trouvé en 2010 et ce qu'il a laissé en 2021. Bien, d'accord. Si, alors, je voudrais placer juste un mot, une simple précision. Voilà, en 30 secondes. Vous savez, quand on veut parler, il faudrait qu'on s'adresse à un peuple, à un peuple doté d'une conscience. Je fais une remarque. Le feu général Lance en a compté paix à son âme, a fait 26 ans au pouvoir. Pendant 26 ans, n'exportait que 15 millions de tonnes de bauxite par an. C'était peu dans le processus de développement de Guinée. Quand le professeur Alpha Condé est venu, de 2010 en 2021, exportait 78 millions de tonnes par an. Alors, si on prend les taxes à l'exportation, la valeur, de 2010 à 2021. Où était le professeur qu'on est venu au pouvoir en décembre 2010? C'est comment tu peux dire que soit, mais écoutez, monsieur. Écoute, soyons, il faudra qu'on soit objectif. D'accord. De toutes les façons, le mois de décembre fait partie de 2010. Moi, je me limite là. Alors, mais maintenant, écoutez-moi. On le laisse. Écoutez-moi, voilà, permettez. Je veux qu'on soit objectif. Je veux qu'on soit objectif. Jusqu'à après, avec des bailleurs, jusqu'à après, commencé en 2010. Bien, d'accord. Jusqu'à après, 2011. D'accord. Jusqu'à après, jusqu'à après, de contraire, le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir en Guinée en 2010. D'accord. C'est pas en 2011. Bien. On est d'accord. Oui. Alors, moi, mon inquiétude se trouve à quel niveau? Quand on prend les taxes à l'exportation, la valeur de la bauxite à l'international, on prend tout cet argent. C'est le travail de la jeunesse guinéenne qu'on a extrait pour exporter ailleurs. On prend tout cela et qu'on compare à ce qui a été réalisé sur le terrain. Moi, je me dis que l'objectif n'a pas pu être atteint par le professeur. Bien, d'accord. Là-dessus, on ne va pas faire un débat. Non, juste deux secondes. Dans ça, le travailleur de 2010 te dira en 2021 qu'au moins son salaire a été multiplié au moins par 4. Bien. Ce n'est pas le salaire qu'il recevait en 2010. Il ne recevait pas le même salaire en 2021. Quand même, soyons reconnaissants. Quel salaire? D'accord. Soyons reconnaissants. Je sais que ce salaire, c'est une réalité, mon bien, cher. Je sais salaire que ce débat, de qui? Quel salaire? On peut le mener. Va demander à un magistrat comment il prenait en 2010. D'accord. C'est moi qui demande à un magistrat comment il prenait en 2010. Il y a eu des statuts particuliers. Il faut quand même reconnaître. D'accord. On ne va pas faire le débat sur le bilan du professeur Alpha Condé. Sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Le débat va aller dans tous les sens. Je suis d'accord.